Bonjour tout le monde. Alors, Théo vient de se réveiller, pas se réveiller, mais bon. Il vient de nous montrer le casino. Et ouais. Je ne sais pas comment ça marche, j'arrive pas à le mettre dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. J'arrive pas à le mettre dans l'autre sens, mais on va y arriver quand même. Donc non, parce qu'en fait, je voulais leur montrer. Tiens, tu peux me filmer. Je vais demander à mon patient de me filmer. On se connaît depuis plus d'un an. En fait, je voulais juste vous présenter à Arménio, à tout le monde, mes nouvelles lunettes. Parce qu'il y a un intérêt. Elles sont roses. Et elles sont magnifiques. Voilà. Parce que j'ai besoin de lunettes maintenant, comme tout le monde. Voilà. Alors, je vous présente Théo, qui est venu chez nous il y a un peu plus d'un an. Pratiquement un an. Ouais, non, ouais, c'est ça. Qui est coiffeur à Deauville. Qui avait besoin juste de faire un point en fait sur sur ses quelques années derrière lui, de travail, de tout, un peu d'anxiété, un peu de stress, beaucoup de stress. L'anxiété, ça pouvait aller. Le sommeil, il n'y a jamais eu trop de problèmes de sommeil chez toi, ça pouvait aller. Et se reconcentrer sur des projets. Donc nous avons travaillé ici. Psychologiquement un tout petit peu quand même, parce que oui, pas mal même, pas mal. C'est vrai. Il faut discuter, il faut voilà, puis comprendre. Oui, tout à fait. Mais nous n'avons jamais fait de séance d'hypnose directe. Non, du tout. Tout le travail qui a été fait depuis le début a été fait qu'avec des séances de casina sur ce fauteuil. Et bah, le résultat, ça fait quoi? Ça fait 12 mois, donc tu es venu, au début, tu es venu à raison de 2 séances par semaine pendant un mois. Oui, ce que tu as appelé justement thérapie brève. Voilà. Et après, je t'avais dit d'entretenir régulièrement ou de m'appeler quand ça allait moins bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que je trouve que ça a été relativement, enfin même pas que relativement, ça a été extrêmement bénéfique parce que je sortais tout simplement de beaucoup, beaucoup d'accumulation, beaucoup d'accumulation de stress et de mauvaises choses, de tristesse, à tel point justement que j'avais... J'ai pendant 8 mois pris des antidépresseurs et justement à la suite de ces séances de thérapie brève, du jour au lendemain, j'ai pu arrêter la médication parce qu'en fait, tout simplement, je n'en avais plus besoin et sans sensation de manque aucune. Et surtout, ça me permet aussi d'aborder la vie avec beaucoup plus de sérénité, plus d'envie et d'être... Et tout simplement beaucoup plus aligné avec moi-même. Ben merci. Moi, le plus important pour moi, c'est d'avoir vu ta progression, en fait. C'est important. Et surtout d'avoir fait en sorte que grâce au casino et puis grâce à tout ce qu'on a fait autour, ben, tu n'aies plus besoin de ces cachets. C'est vrai que ça a été radical et vraiment sans... Enfin, l'arrêt s'est fait sans grands efforts. Voilà, c'est ça. Donc, excellente. Bah écoute. Excellente méthode de travail. Merci. L'appareil est pour beaucoup aussi. Les chansons, les musiques qui sont préparées par tous nos professionnels et les lumières et tout ce qui va avec est très importante. En tout cas, merci pour ce témoignage. Avec plaisir. Il va être envoyé au Club Casina parce que nous avons un Club Casina. Ça sera dans un groupe fermé. Et ton témoignage va nous servir également pour tous, parce que on peut, en tant que thérapeute, utiliser le casina, nous, professionnels, pour aider les gens autrement qu'en leur donnant des antidépresseurs et autres. Et c'est ça qui est important, surtout. Je pense que le problème de la plupart des thérapeutes, ou quoi, c'est que, vu qu'ils ne savent pas comment enlever la douleur, ils l'endorment. Et je pense que... C'est pas la solution. Très, très, très intéressant ce que tu viens de dire. Merci beaucoup en tout cas, Théo. Avec plaisir. Arménio, à bientôt. Et puis, que tout continue aussi bien.